bienvenue sur le résumé du championnat de Colombie de cyclisme sur route. 10 tours de circuit à Bucaramanga de 23,7 km et donc 237 km au programme. Un circuit quand même vallonné avec des difficultés. Et après que son équipe a contrôlé les premières heures de course, l'équipe Medellin, Miguel Angel Lopez, à 31 km de l'arrivée, a décidé de provoquer une sélection avec dans son sillage notamment Daniel Felipe Martinez, Nairo Quintana ou encore Esteban Chavez. De nombreuses attaques vont ensuite avoir lieu à l'avant de la course, mais c'est surtout à 8 km de l'arrivée qu'un homme va réussir à se défaire du marquage de ses adversaires. Il s'agit du troisième de l'édition 2022, le coureur de la formation EF Easy Post, Esteban Chavez, qui va donc s'imposer en solitaire. Derrière rencontre, il y a Daniel Felipe Martinez, le vainqueur sortant du Tour du Pays Basque, et Nairo Quintana qui porte un maillot blanc et un cuissard noir n'est pas en contrat avec une équipe professionnelle. Et donc c'est une victoire pour Esteban Chavez qui succède donc au palmarès à Sergio Higuita, tandis que derrière à 32 secondes au sprint, eh ben Daniel Felipe Martinez va devancer Nairo Quintana, 4e Didier Merchan, 5e Javier Jamaica. Ciao tout le monde.